Amis d'Haïti et de l'étranger, bien le bonsoir politiquement, socialement et économiquement. Heureux de vous retrouver professionnellement et objectivement à l'heure de votre émission de prédilection et imbattable, Blocus. Alors Blocus, on se le rappelle, est une émission sociale, politique, économique, juridique, civique, scientifique, ésotérique, philosophique, technologique et culturelle. Elle vous est présentée en direct, bien sûr, et simultanément du lundi au vendredi de 4h à 6h PM sur la chaîne 2, le réseau mondial du savoir et de la connaissance, 106.5 Storm FM, la fréquence de la méthodologie et de la pédagogie. Nous sommes bel et bien live sur YouTube grâce à notre channel Blocus. Alors Blocus, ça s'écrit B-L-O-C-U-S. Merci de nous être toujours fidèles à l'heure de la fidélité du savoir et de la connaissance. Et merci de votre précieux et indescriptible attachement à Radio Téléstorm, la tempête de la vérité, de la rigueur, de l'éthique, de l'équité, de l'équilibre et du professionnalisme. Pourquoi la Bible fait l'objet d'autant de débats contradictoires? Quelle est l'origine de la Bible? Quelle différence peut-on faire entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? Qu'est-ce qui explique que les livres d'Enoch, de Maccabée, considérés comme des livres apocryphes, ne font plus partie des, ne font pas partie de préférence des 66 livres et de la Bible, ou bien constituant et la Bible? Qu'est-ce que le sang de Jésus symbolise? L'Antichrist et Mackensen Exeus, connu familièrement sous le nom spirituel Zamaex, notre invité ce soir à Blocus. Alors bonsoir spirituellement et bibliquement Zamaex, bienvenue à Blocus, l'univers de la formation, de l'information et de l'éducation bien sûr. Nous saluons encore Zamaex. Et PAG, nous saluons vous et nous saluons tous auditeurs, auditrices et téléspectateurs Radio Téléstorm. Et c'est un bon plaisir pour nous aujourd'hui, pour nous retourner participer une deuxième fois encore dans le show. Tout à fait. Et par contre, moi, depuis que nous avons parlé de la Bible, ou avons intervenu sous thème ça, il a toujours fait lieu à des débats contradictoires. Chaque monde comprend la Bible en façon. Ça qui explique toute contradiction, ça, selon vous-même, pour nous commencer. Bon, premier ça, moi-même m'a dit son introduction qui est familière à tout le monde qui habite dans les Amaex, comme d'habitude. Depuis nous, on parle là, nous pouvons connaître baguette pour me dire, moi-même, c'est charlatan qui vient démasquer. Automatiquement, on parle de la Bible, les gros sujets contradictoires, parce que dans l'époque, la Bible a été écrite, elle était écrite dans une époque côté que la technologie peut avancer. Ça te permet que charlatan malveillant t'a écrit Bible là pour te coloniser nous-mêmes les noirs là, yo commettre des erreurs monumentales là-dedans. Et ceci dit, c'est ça que fait la Bible chargée à contradiction et erreurs bagaille que personne monde pas ta arriver imaginer. D'accord. Qui sont qu'on est de origine de la Bible, on fait historicité hein. Bon. D'abord, pour nous parler de la Bible en grec ancien, c'est Biblos ou encore Biblion qui seulement veut dire livre. La Bible parle de le livre des livres, chaque monde yo veut faire comprendre là. C'est Biblos ou Biblion qui seulement veut dire livre. Et il y a des savants intelligents, philosophes, qui même arrivent plus loin pour dire Biblos, c'est une ville phénicienne qui a plus de 7000 ans d'existence. Ça veut dire la Bible, pourquoi même il y a 2000 ans d'existence. Et ceci dit, origine Bible, il n'est pas sorti dans le pays, nous même les Noirs. Il est sorti directement dans le pays européen. C'est eux qui montent deux toutes pièces pour être colonisés. Tout à fait. En principe, vous parlez de Ancien Testament, Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance. Fait ça, il a bel et bien existé. Ça, c'est pas invention de toute façon. Et pour parler de Ancienne Alliance, c'est que gon histoire, Bible a gon histoire. Pour parler de Nouvelle Alliance, gon histoire. M'attend des réponses. Effectivement, il y a ça que l'Ancien Testament et Nouveau Testament. D'abord, nous besoin aller tirer yon texte biblique dans Luc 24, 44, yon dit côté Jésus, charlatan te dit, faut que tout ça que t'es écrit dans le livre la loi, faut que tout ça que t'es écrit dans le livre prophète, faut que tout ça que t'es écrit dans le livre somme. Ça veut dire là, textuellement parlant, il fait référence avec les livres des Juifs qui gagnaient Torah, Nevim, Ketuvim.
Et ceci, c'est ancienne alliance ou bien nouveau ancien testament ça qui écrit ou bien auteur principal lui relé Moïse dans Exode chapitre 20 à partir de verset 1 avec côté Dieu te bail Moïse ça y relé la loi pour le peuple d'Israël. Maintenant, basé sur étymologie le mot testament. Automatiquement ou est testament ou est un testateur quelque part. Selon principe juridique là, yon testament en vigueur tout autant testateur lui-même li mouri. Si testateur a encore en vie, testament pas gain valeur. Et effectivement, dans Deutéronome chapitre 34, Moïse pral mouri et effectivement ancien contrat pral gain valeur pour le porter non testament parce que dans Jean 1er verset 17, la Bible dit clairement avec Moïse bon Dieu te bail la loi pour me rentrer dans le Nouveau Testament, il dit avec Jésus, nous vinn jwenn la grâce. Maintenant, mais apparition le Nouveau Testament qui c'est un tissu de mensonges parce que nulle part de la Bible pas rien qui rapporte Dieu pral faire une nouvelle alliance sur la rédemption, doctrine de la rédemption de Jésus, pas gain ça du tout. En principe, selon les données que vous gagnez, information que vous gagnez, livre et Bible en les constitué de combien de livres exactement, combien de livres qui composent? Oui. Oui, li en pile. Parce que effectivement, on pral di les Bibles catholiques, on pral di 72 livres, ça dépend. Si on mettait Enoch, on pral di 73 livres, on pral prend les livres éthiopiens qui gen plusieurs livres là-dedans. Qui donc lorsqu'on parle de Bible, on parle de livres. Qui donc c'est un ensemble des livres qui constituent qui baille Bible là. Qui donc les protestantisme, les protestants, yo gen 66 livres. Mais si nous prenons cité non Bible, n'a pas jeune en pile. Et monsieur certain Marquès, révolutionnaire Marquès du Néant écrit en Bible parce que Bible veut dire Bible livre, qui veut dire Biblion. Et pour qui ça selon vous-même et livre d'Enoch et de Maccabée pas fait partie de et livre ça il va parler à de Bible blanc. Pour qui ça vous considérez comme des livres apocryphes? D'abord, apocryphe là veut dire non inspiré. C'est pas ça? Non inspiré. Si apocryphe veut dire non inspiré, est-ce que tout livre que protestants ont gagné ou les catholiques gagné, est-ce que ont inspiré? Pas bon exemple. Dans 2 Pierre 1 verset 21, la Bible dit tout prophète yo t'est inspiré sous dictée l'esprit bon Dieu. Aucun prophète pas écrit selon volonté pâle. Là nous regarder dans Jude qui gonsel chapitre verset 14, Jude pral dit Enoch t'est prophétisé, li t'est dit li wè bon Dieu k'ap vini nan mitan des myriad d'anges. Pour me répondre avec question là plus explicite. Si que dans livre Nouveau Testament Jude 1er ou bien Jude verset 14, li dit Enoch t'est prophétisé sous des myriades d'anges, pour qui raison effectivement j'en dis le livre d'Enoch pas mentionné dans la Bible protestant. À nous prendre l'autre exemple. Parole ça écrit dans Enoch chapitre 10 de verset 15 à 16. Effectivement, il t'est prophétisé Enoch pral vini nan et bon Dieu pral vini dans mitan des myriades d'anges. À nous prendre l'autre exemple. Les livres apocryphes n'a mette Maccabée, les frères de Maccabée. Les frères de Maccabée pral prendre naissance au cours de les 70 semaines de Daniel. En Daniel chapitre 9. Si pour protestants yo mette les livres de Maccabée là-dedans, nous pral vinn un homme qui pral rele Judas. Et c'est Judas ça, yo pral fait plagiat pour yo pral devenir by Jésus journée jodi là. Si yo mette les livres Maccabée là-dedans les 70 semaines, yo pas ka tordre pour yo dire c'est la venue de Jésus comme prophétie. Ça veut dire qu'il y a plusieurs livres. Si vous permettez, nous avons cité plusieurs livres à référence que vous n'avez pas mentionné parce que nous n'avons pas d'intérêt. C'était ou non pour moi. Ok, prenons exemple. Dans Nombre chapitre 21, de verset 14, il parlait de livre de la guerre, de livre des guerres de l'Éternel. Dans 1 Chronique chapitre 29, de verset 29, il parlait de livre de Gad, il parlait de livre de Nathan le prophète. Nous pas joignons dans l'Ancien Testament. Si nous prenons l'autre exemple, dans 2 Chroniques, chapitre 12, de verset 15, il parlait des livres des Maïja, les Maïja. Ça veut dire même j'ai 1 Chronique, 2 Chroniques, et même j'ai les Maïja, qui c'est un Maïja, deux Maïja. Il n'est pas mentionné dans l'Ancien Testament, mais il est mentionné en deux Bible qui clairement qui dit que il y a un livre Mounsayo, 2 Pierre 1er, 21. Si prophète, il n'y a pas inspiré selon eux-mêmes, qu'on y a là, si prophète, ça y a, ou dit, il y a des livres
apocryphe qui veut dire non inspiré. Jude, verset 14, là, qu'on est là, qui ça nous va le faire, qui mentionnait non explicite. Il explicite là-dedans, il dit clairement, Enoch te prophétisé. Si l'Isaïe n'a pas existé, côté Jude, joint avec Enoch. Mm-hmm. Et, ben, Mandoza, ma ex. Et Biblan de la vie de plus d'un sont livres inspirés de Dieu. S'il est inspiré de Dieu, comment se fait-il qu'on est capable d'avancer cette thèse selon laquelle les charges mensonges adonnent? Un livre qui est inspiré de Dieu, pas qu'à des mensonges adonnent. Comme nous-mêmes, on toujours dit des mensonges, énumérez pour nous mensonges. Si il y a une vérité tout, à votre avis, et faites-nous part de ces vérités bibliques. Et Thessaloniciens 2:3, car notre prédication ne repose ni sur erreur ni sur mensonge. C'est ça Paul dit, n'est-ce pas? Mais si nous prenons l'autre texte encore pour nous dire dans 2 Timothée 3:16, car toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour convaincre, pour enseigner, pour corriger. Écoutez bien, posez n'importe pas cette question ça, PhD. Dans 1 Samuel chapitre 13 verset 1er, Saül te roi à quel âge? Dans la Bible, semaine 2015 là, il dit Saül te roi à 30 ans. Il régnait 42 ans sur Israël. Dans la Bible 8 secondes sous ouvre le kounia, l'a dit Saül te roi à 10.1. Dans le livre de tout, il dit Saül était âgé à l'âge d'un an. Vous entendez bien? À l'âge d'un an. Saül te roi en Israël, dans 1 Samuel chapitre 13, verset 1er. Dans la Bible, version Chassia, il dit clairement à l'âge d'un an. Comment un homme qui a fait roi à un an, qui est dans le PMPZ? Si c'est l'Esprit de Dieu, effectivement, qui t'a inspiré pour faire ça, comme il dit Pierre 1er, 21, côté bon Dieu, te, qui fait jusqu'à présent, pas qu'à bail date que Saül te roi en Israël. Ça n'existe pas dans la Bible. Jean, que je te dis dernièrement, effectivement, il y a une histoire, un peuple. Qui c'est les Israélites. C'est lui-même qui c'est histoire qui a un rapport avec eux. À partir de là, nous n'avons pas rien de concret pour nous-mêmes, les Haïtiens, pour nous tirer dans la Bible. Tout ça qui vient là-dedans, c'est des bagages tous les jours. Par exemple, ils ont prophétisé, ils ont dit telle prophétie pour l'accomplir, telle prophétie pour l'accomplir. Le gars est dégoûté dans 25 ans, qu'on peut dégoûter pas prophétiser dans 25 ans, qu'on comme Haïti, pas même beaucoup même dans 25 ans prophétiser dégoûté pas accompli là. Ça veut dire c'est des bagages qui ont rapport à qui un peuple qui pas un rapport avec nous-mêmes les Haïtiens jusqu'à présent. Pour que ça leur fait réflexion autour de la Bible ou pas essayer mettre à nu et Bible originale là, parce que l'on en traduction yo ka gen certaines erreurs qui glissent. Pour qu'ils soient pas allés dans originalité hein? Oui, parti ça si on passe quand même original Bible là, je dis à mettre frère devant nom le frère Zamaex. Ça n'existe pas version Bible originale, ça n'existe pas, personne ne va pas oser dans Bible hébraïque là. Oui, soit là dedans nous pas besoin de vérité yo. La Bible hébraïque, c'est en 13e siècle qu'ils ont imposé juifs pour relire le mot Bible, la Bible. Mais les juifs ne pas reconnaître la Bible, ils reconnaissent Torah, Nevim, Ketuvim. Ils ne pas reconnaître Bible comme ça. En 13e siècle, ils ont imposé au ça n'existe pas. Version Bible originale, qui nous pourrait dire ça dans le Nouveau Testament, bon version originale, ça n'existe pas. Ok, pasteur n'a pas fait ça. Personne n'a pas fait ça. Ma petite pas version Bible originale. Bon, excusez. Comme. Si vous version Bible originale, que n'importe pasteur paraît, il dit à ma ex, Saül, mais à qui l'âge Saül de wa? Puisque lui, c'est Godi à 10.1. Puisque ce n'est-là dit à 30 ans. Puisque châssis, Bible de la tour, il dit à 1 an. Quel monde veut dire à qui l'âge et Saül de wa en Israël? Si c'est original version. Dans quelle langue? Dans quelle langue? Ça me dit la langue officielle Bible. Ça me dit la première langue qui était écrite. Son façon pour me garder changement qui fait yo. Parce que après ça après une traduction, est-ce que c'est dans Bible araméenne ou bien hébraïque? Bah qu'on est dans qui première langue Bible entière. Je dis que la Bible écrit en araméen, en hébreu et en grec, en trois langues ça. Quand de la simtape di pim la, simtape di pim permet expression, parce que moi-même bon dans tout. Nous allons courant là, nous allons dire clairement, dans Sourate 14, dans 4, verset 14, dans l'île Ibrahim, il dit à la toujours vous et prophète qui sortit dans mitan peuple. Lorsque vous lisez samedi là encore, dans Amos chapitre 3, de verset 7,
N'est-ce pas? L'Ibral dit clairement, bon Dieu, toujours voyez des prophètes et des Nazaréens qui sortent au milieu du peuple Israël. Hors du peuple Israël, pas aucun prophète qui existait, excepté Balaam. Or, Balaam fait partie des livres, les magiciens qui ne sont pas mentionnés dans la liste prophète en Israël. Ça veut dire, si tu as un livre, si tu as une histoire prophétique, tu as supposé gagner dans Haïti, tu as supposé gagner pour prophète. Et bien, dans la Bible, là, pour me chercher. D'accord, dans des empiles, pasteur, empiles religieux. Les rap intervenu et sous la Bible ont toujours dit bon faut aller dans grec là parce que j'ont traduction ça gain là li pas traduction saine li pas pure c'est grec là et ça fait toujours dit mon non sont pas fait grec ou pas maîtriser hébreu gon bonne bagaille parce que même traduction française là mon n'a dit non et pour aller dans grec là pour nous garder pour nous comprendre qui sont comprendre de approche ça. En vérité, EPSG, mets ton pasteur en défi vina version Bible originale là. Pignon moun vina version Bible originale là, EPSG. Ça n'existe pas, mon frère. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Version Bible originale. Bon, sous question là, on nous prend bagay. On nous prend bagay. Les 70 semaines de Daniel, en Daniel chapitre 9, à partir de verset 26 à 27, il parlait des paraboles de 70 semaines de Daniel qui étaient prophétisées dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 29, Jérémie chapitre 31, Jérémie chapitre 40. Maintenant, pour chaque grand pasteur capteur de là, vina version Bible originale là, dans Daniel chapitre 9 verset 27, vin dit Messie a parlé si c'est de Jésus. Est-ce qu'on a bénéfice du doute PRG? M'a gen squelette dans placard moi-même. Pas gen version Bible originale, sinon pas gen aucun monde là qui t'a ken de pile version traduction en main yo. Chaque monde traduit Bible, tant que King James qui traduit par chaque monde traduit Bible dans façon qui bon pour yo. Point bas. Donc, à votre avis, ça n'existe pas. Bible n'est pas un livre sacré. Sacré. T'as l'air. Sacré. Si je prends un bail sacré, je vais avoir une histoire pour essayer une histoire sacrée. Parce que l'éternel va aller chouer dans l'histoire sacrée. En Genèse chapitre 19, à partir de verset 1 à 20, bon Dieu va ordonner avec les anges pour détruire Sodome et Gomorrhe. Pour qui ça? Pour immoralité sexuelle. Si la Bible est sacrée. Sous même Genèse chapitre 19, là, Dieu détruit Sodome et Gomorrhe pour immoralité sexuelle. Dans Genèse chapitre 19, verset 30 à verset 38, l'eau couchait deux petites filles sous Sodome, qui a une naissance avec deux petits bâtards qui parlent grand-grand-papa David. Est-ce que le livre est sacré là? Caproné. Immoralité sexuelle. Est-ce que le livre ça sacré? Qui bon sacré ça? Non, livre, dans Genèse chapitre 38, et à partir de verset 9 à 10, au nom, pas de l'ébaye pour la postérité, bon Dieu, tout est la savoir de Tama, qui est-ce qui peut le coucher à Tama, belle fille, c'est Judas qui peut le coucher à Tama, pour le cabaye postérité avec petit. C'est quoi cette histoire? Côté histoire sacrée là. Non, Ézéchiel chapitre 23, l'opinion pasteur par les petites filles, les petites garçons, de Ola et Oliba. Permet expression en créole, moi je dis, c'est mon ami moi-même, qui parlait des pigots bousés dans la Bible. Alors, c'est une petite histoire ça. La Bible sacrée, qui est-ce qui dit le livre sacré? Elle dit, blanc pour tel banou, qu'on dit la Bible, dit non sacré. Écoutez, si la Bible est sacrée, sans doute, il y a un bon Dieu là-dedans qui a détruit. Et pas ça, la Bible dit. Dans Somme 78, verset 65, il dit, c'est à lever tout cocoy. C'est à t'abdomen lever tant que monde qui lève en bas gog. Le livre sacré a un bon Dieu qui a boué gog. Le livre sacré a en Jean chapitre 1 premier miracle Jésus c'est Michel fait. Le livre sacré a c'est pas vrai. Mais catalyser pour faire tout monde dormir. Pas grand rien de sacré dans la Bible. Pignon monde vient avec sacré avant moi. Pignon monde vient avec. Oui mais sous pas reconnaître Bible et comme un livre sacré. Monsieur que au cas un livre sacré pas ou bien l'autre livre sacré on connaît ce gain l'autre livre sacré si Bible pas sacré lui-même. Moi-même, l'on parle de livres sacrés. Révolutionnaire Marquez s'est écrit un livre. Livre de consacré, c'est Bible. Oui, parce que c'est le livre de Bible. Qui donc, il a sacré pour lui. N'importe monde qui a sacré, n'importe roman, n'importe livre écrit à fond ou déclaré tête ou le sacré. Même Jean Blanc déclaré le livre de Bada de Benoît sacré. On a déclaré le livre de sacré. Mais pas grand rien de sacré là-dedans. Si vous mettez un pas là-dedans, qu'est-ce sacré ça? La Bible pas sacrée. Pas aucun monde qui a montré la Bible sacrée. Est-ce que le Coran pas un livre sacré? Ah, même des bandades, mon Abraham, même des bandades, ça n'a pas aucun rapport avec nous. T'es quoi dans Sourate 4,
Ibrahim, verset 14, nous sommes dans l'éclair là. Comment c'est bagay pour moun bagay Mohamed? Yo, parce que lui dit clairement, Allah toujours voye yon prophète dans yon pays côté li parle langue origine pays. Comment écrit en arabe? Est-ce que m'parle arabe? C'est quoi cette histoire? Comment le fait ça pour moi? Ça va gagner rien qui rapport avec moi. Parce que Allah dit dans Ibrahim 4, verset 14, dans ce là. M'bagayen yawe avec le courant moun. M'bagayen yawe avec histoire pays Israël, m'bagayen. Comme c'est créole nous parler, est-ce que haïtien yo y ta dwe gen livre sacré pa yo en créole ki li blié s'il ta existé vrai? Haïtien gen histoire sacrée. Ou là me poser pour me parler. Haïtien gen histoire sacrée. Mais malheureusement pour yo démoniser nous, pour faire nous par contre qui moun nou ye, pour yo faire nous perdre identité nous, yo empêcher nous écrire propre histoire pa nous. Parce que automatiquement yon peuple par contre histoire li condamné pour le revivre. Et ceci, nous avons propre histoire pas nous qui t'es écrit. Mais malheureusement, bel garçon, moi, lorsque vous pas fait l'école, vous pas fait éducation, peuple là vient là qui est un colon monde intellectuel, ribambelle résignance qui là vient dans la reporte presse pour craser ratiboiser parce que vous pas formé. Oui, nous avons livre sacré pas nous et livre sacré pas nous, c'est histoire pas nous et jusqu'à présent il écrit dans cœur nous, il écrit dans tête chaque grand haïtien. Mais jusqu'à présent pour qu'on relater sous feuille papier. Qui contenu histoire ça, Zamaex? Qui contenu histoire ça? Qui contenu histoire sacrée ça va parler là? Ce sont les fameux constitutions, l'empire Jacques Ier, l'immortel, dit Jean-Jacques Dessalines, histoire des hommes vaillants, des femmes vaillants, qui t'ont levé capé, qui t'ont gourmé pour liberté, qui t'ont juré liberté ou la mort. Et c'est pour Christ ça réunit nous pour combattre. Et automatiquement, nous prenons conscience de nous-mêmes, origine. C'est un peuple qui est fier, qui est libre et indépendant devant toute puissance de l'univers. Nous, c'est le premier peuple noir qui gourmet pour casser chaîne esclavage. Oui, ça c'est début histoire. Mais malheureusement, nous occupons les colons avec l'église qui fait détruire Papa Nation. Nous condamnons pour nous là pour nous payer son peuple gras. Effectivement, c'est ça, il te dit, lorsque il te fait généreux, il prête seulement pour yon bay peuple la yon dernier signe de dévouement pour liberté dans le discours là. D'accord, on a retourné sur la Bible. Est-ce que c'est totalement rejeté la Bible ou bien c'est partiellement? Parce que je ne crois pas que c'est mensonge seulement qui constitue la Bible. Pas une certaine vérité ou qu'a mentionné tout? Tandis. Mwen toujours dit ça PSG. On nous mette grand monde sous nous. Vérité qui gen dans la Bible mwen doul concerne les Israélites. Quand il s'agit de le Nouveau Testament PSG, staff OPDCH décidé pour yo bay $20,000 US à whatever chrétien pasteur qui gen capacité ka montrer selon les prophéties bibliques et les accomplissements la venue de Jésus. Parce que c'est mentilier, c'est un catalyseur, c'est texte qui décontextualise pour créer, il n'est pas bon, il n'est pas vrai. Berger, écoutez, on vous prend la parole. Berger, si pasteur n'a pas gagné un bagage pour le cacher, jusqu'à présent, Zama ils ont pas quitté depuis la ferraille sur tout réseau. OPDC a marché libéré mentalement. Pour qui vous n'avez pas jamais parlé avec la Bible en main? Pour démentir, pour prouver que Jésus était bel et bien existé selon les prophéties bibliques et les accomplissements. Parce que d'ailleurs, la doctrine de la rédemption vient du diable. Selon l'herméneutique théologique, là, ça vient du diable. Ça a fait fidèle au frère. Ça vient du diable. Ou pensez à venir $20,000 US que nous offrons pour un monde qui a défié selon la Bible. Amen. Que Jésus était existé. Ça n'existait pas. Mm-hmm. Ou dit doctrine de la rédemption vient du diable. Qui texte ou gagne qui pour corroborer aujourd'hui? Qui texte biblique qui fait état de ça? Nous allons parler. Nous allons parler, bel garçon. Mm-hmm. Écoutez bien. Premier sans besoin qu'on ait, c'était la volonté de qui pour Jésus mourir. Selon la Bible, aucune prophétie pas annoncé qu'il y a un Messie pour venir qui a mouru pour pardon péché d'Israël. Dans l'Ancien Testament, ça n'existe pas. PSG, ça n'existe pas. Maintenant, qui s'est arrivé? Lorsque Volo Mafia a sa yon malfoi mauvais ke, yon pral écrit histoire, maintenant yon pral ban nou yon Jésus ak yon doctrine de la rédemption. Qui sa rédemption pral yon? Rédemption, li pral yon rachat, ok, des âmes humaines ou des gens humains en Jésus-Christ. Pas Jésus-Christ ou en Jésus-Christ. Qui sa pral yon? Faut que Jésus vini,
pour le mourir, pour le ressusciter, pour le monter dans le ciel, et à partir de là, tout le monde qui peut le croire dans le lieu, il va avoir la vie qui va besoin de finir. On nous rentre dans la base diabolique. Un, est-ce que chrétien fait te guider, fait te fait mort? Ça est le premier exemple à quoi? Est-ce que chrétien fait te fait mort? Non! Or, chrétien dit comme ça, tout le monde qui a fait fête, moi, c'est bagage diable. Or, chrétien célèbre la mort chaque premier ou dernier samedi dans le mois ou bien dimanche. Jean, dans 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23 à 26e verset, il dit : car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit : ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et après avoir soupé, il prit la coupe et dit : cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Buvons ensemble. Faites ceci en mémoire de moi. Car toutes les fois vous mangez ce pain, vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Voici la commémoration des morts. Vous annoncez la mort du Seigneur. C'est quoi Jésus dit, lui ressuscité. C'est quoi chrétien a prôné Jésus ressuscité dans Apocalypse 3, verset 7, Apocalypse 5, verset 7. C'est quoi il dit ressuscité? Pour qui jusqu'à présent il a fait commémoration de la mort de Jésus. Y a l'autre exemple encore. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a donné son Fils unique à qui PLG. Isaïe 43, verset 10 à 13. Qui ça doit dire? Que toutes les nations se rassemblent. Et que les peuples se réunissent. Il dit qui d'entre eux a annoncé ces choses, lesquels nous ont fait entendre les premières prédications, qu'ils produisent leurs témoins, qu'on établisse leurs doigts, qu'on écoute et qu'on dise c'est vrai. Il dit vous êtes mes témoins. Écoutez, entre parenthèses, des mouns, ça l'a parlé, vous et mon serviteur que j'ai choisi, il n'y a pas de Jésus, non, son texte qui décontextualise, mais là, pas le texte à dire. Il dit vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous sachiez, que vous compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y aura point. Maintenant, Jean 3, 16. Il a donné son Fils unique à qui? PSG. Hébreux 9, verset 12. Jésus offrit tête en sacrifice. À qui est-ce? Jean 10, verset 30. Moi et mon Père, nous sommes un. Si Jésus a pas le faire en seul, il a donné son Fils unique à lui-même. PSG. En nommé grand monde, non. Ça veut dire, bon Dieu, vous et Jésus, viennent by tête en sacrifice à bon Dieu encore. Il y a ça qui là. Ça est sacrifice. Définition sacrifice, c'est un monde où baille avec un Dieu comme rançon pour payer péché. Mais ou pas qu'à dire Jésus est Dieu, selon la doctrine christianiste, Jésus est Dieu lui-même. Et il offre tête à lui-même en sacrifice pour payer des péchés. Ça, c'est des bandades. Et non, ça, il y a pas la doctrine de la rédemption. Il faut nous faire différence entre sacrifice. Et hypothéqué. Jean 10, verset 18. Jésus, charlatan, quand il dit, libaye ville parce qu'elle connaît le carré, je n'y encore. Ah, il sacrifice. Il est hypothéqué. Gardez la définition hypothéqué. L'hypothéqué ville, ça parle de sacrifice encore. Oh, la doctrine christiane islam, d'où il vient du diable, selon l'interprétation, que on passe à des matines. Puisque dans Lévitique, chapitre 16, BLG, on nous dit vrai côté. Dans Lévitique chapitre 16, nous recevons dans le désert Aaron te gen deux boucs, une pour l'Éternel, l'autre là pour Azazel. Yo dit comme ça que à partir de verset 8, Aaron prend deux boucs ça yo, li offre par l'Éternel, li tire au sort. Ça pour tomber pour bon Dieu, li offre là l'Éternel en sacrifice. Tendez bien oui là. Deuxième bouc par Azazel là. Aaron prié sous bouc Azazel là, il prié, il lagué tout péché peuple Israël sous bouc par Azazel là et puis il lagué dans désert pour la rejoindre à Azazel. Maintenant, en théologie, on ça la préfiguration. C'est la préfiguration de Jésus en avance qu'on y a. Maintenant, si Dieu offrit Jésus en sacrifice à Satan. En Dieu et Satan, qui est le plus fort dans cette histoire? À nous regarder bien. L'histoire est plus belle parce que dans la préfiguration de Jésus, théologie aborde comme Moïse éleva le serpent dans le désert. Théologie aborde Genèse chapitre 22 verset 1 à 7, le petit Isaac, c'est un fils de Jésus, il te porte un paquet de bois sous tête pour y aller offrir un sacrifice. Jésus te porte quoi sous dôle pour y aller offrir un sacrifice. Mais il n'y a pas bon Genèse et Lévitique chapitre 16 à partir de verset 8 à 23, il n'y a pas de baoul. Parce que c'est là où il y a le bouc ça. Il y a tout péché peuple Israël sous lui,
dit dans le désert, ben Azazel qui est le démon, qui est le diable en personne. En Matthieu chapitre 4, à partir du verset 1er, lorsque Jésus fut baptisé, la Bible dit, l'Esprit bon Dieu poussait Jésus dans le désert pour Satan te tenter. Maintenant, sacrifice à qui est ce bon Dieu fait? À Satan ou à Azazel? Qui est le Dieu du désert? Dans le chapitre 22, verset 21, à chapitre 22, lorsque Balaam te vient face dans le désert, qui est le Dieu du désert dans l'histoire? Qui est-il? Donc, bon, réponse en nous. Qui est-il? Qui est ce Dieu du désert? Azazel? Azazel? Qui est le diable? Qui est l'esprit bon Dieu te poussé dans le désert pour la jeune qui m'a dit que c'est grand diable là? Qui Dieu offre Jésus en sacrifice à qui est? Nous pas non pasteur dit la mort de Jésus c'est la volonté de Dieu. Nous pas non monde dit ça. Nous allons prendre exemple PNG. Si la mort de Jésus c'est seul moyen pour l'humanité je ne pardonne pour péché. Comment faire dans Luc 23 43 lorsque Jésus sur la croix lui dit papa pardonnez vous parce que pas comme ça y a fait. Bon pour qu'il demande pardon pour une équipe monde qui rend l'humanité service PNG. Mais grand monde ça. Pour qu'il demande pardon. Pour qui raison lorsque Judas va le trahir en Jean chapitre 19 hein, lorsque Judas va le trahir libre dit quoi ça tenez ça texte ça va le dire lorsque Jean dit Jésus qui est-ce qui va le trahir Jésus dit moun moi trempé car ça va la bail là qui mettait là c'est lui qui va le trahir lorsque Jésus longe pain by Judas qui ça la Bible dit Satan rentré dans Judas qui ça Jésus dit ça va le faire le bien. Ah, c'est la volonté du diable, mon frère PSG. Pour l'autre exemple, dans Jean chapitre 8, à partir de verset 37 à 44, lorsque l'esprit juif pourrait monter pour retrouver Jésus, qui ça Jésus pourrait dire? Jésus pourrait dire, c'est parce que c'est Satan qui papa nous, qui fait nous chercher tout yé nous. Abraham pas de chercher tout yé nous. Nous disons c'est petit Abraham, nous pas petit Abraham, parce que Abraham pas de chercher tout yé nous. Mais c'est Satan qui papa nous qui fait nous chercher tout yé nous. La volonté de Dieu, c'est pas pour Jésus. Mon opinion, mon côté, il était annoncé lorsque Messie après le venir pour pardonner le péché de l'humanité. Or, texte là dit clairement dans Jean 44, le père du mensonge est Satan, le diable. La volonté de Dieu, c'est pas pour un messie vienne mourir selon prophétie. Pas gain ça dans Bible là. Maintenant si que c'est la volonté du diable, comment ou ka expliquer acte Judas, c'est un acte péché lié. Acte pharisien, c'est un acte péché que lié. Comment on veut pour un péché pour aller retirer péché l'humanité encore. Comment on va se pas expliquer me dit ça. Ça vient uniquement du diable. Ça va venir de soi-disant les prophéties bibliques que Dieu te baille avec prophète Dieu dans l'Ancien Testament. Que prophète pas prophétiser, bon, mais si tu as venu pour aller mourir pour pas empêcher l'humanité. Ça n'existe pas. Aucun côté. Dans mon contextualiser texte ça, et côté que le dit, ça c'est sans moins, ça c'est comme moins. Pour ta contextualiser, il te fait déclaration ça et avant sa mort. Avant sa mort, c'est pas après sa mort. Oui. Oui, nous avons contextualisé le texte qui te dit que les Jésus t'a parlé, hein? Ça c'est sans moins, ça c'est comme moins, on comprend, on a mangé, tel bagage, on a boire ça, on comprend, mais on te dit ça et on te bat en précision, là, on clarifie ça. Matthieu chapitre 26, on a fait des livres juifs, on a fait Pâques là. Oui, pendant Pâques là. On a fait Pâques là. Et Corinthiens 5, 7, il dit. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, quand Christ, votre Pâque, a été immolé. Là, on tombe directement pour contextualiser la doctrine, ça pour m'aller dans Exode chapitre 12, qui parlait de l'agneau Pekachia ou l'agneau Pascal. Maintenant, si Jésus est l'agneau Pascal, pas de problème. Mais bouc qui a été offert à Azazel, qui est lié? Pas de problème, non. Dans Deutéronome chapitre 24, toute offrande que Moïse défait, qui parlait de sang, là, là, dans le thème herméneutique théologique, là, vous mettez directement dans ça que les préfigurations, et c'est ça qui par avantage chrétien encore. Lorsque l'idée dit ça, c'est sans moins qui coulait pour tout le monde, pardon, péché. Bam, yon texte biblique qui te annoncé, Messie après venir et sans pral couler pour pardon, péché, peuple Israël. Homme, son baou, là, 1 Corinthiens chapitre 11, à partir de verset 23, verset 26, lui dit, à chaque fois que vous mangez ce pain, vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Mais c'est la commémoration. Lorsque les vaudouilles... Pour qu'il soit cette traduction littérale ou fait, il y a une traduction parabolique, il y a symbolique, pour que ça se forme ça au prendre.
symbolique d'abord. Il y a une parabolique, il y a une parabole. Parce que la Bible a une pile parabole là-dedans tout. Oui, toute parabole, ça, oui, c'est des femmes. On va dire Jésus, nous voici, voilà, dans Matthieu chapitre 25, c'est 5 sages, 5 folles. Il n'y a pas d'existe, non, les 5 femmes folles, les 5 femmes sages, il n'y a pas d'existe, non. Menti, oui, là, on dit parabole là. C'est allégorie, oui. Il va exister, oui, métaphore, allégorie, c'est ça. Eh, menti, et ça me doit être menti. Et peut-être ça leur va des crucifixions. L'homme des chrétiens, ça veut dire théologie. Les deux théos, l'ego, logos, qui veut dire discours sur Dieu. Mais l'on parle de crucifixion moi-même. Mkadou crucifixion, ça veut dire. Mkadou le divise en deux. Tout, il veut dire crucifixion. Qui veut dire, ça c'est un mort en science-fiction. Crucifixion. Mkadou le tout. C'est ma bille là, c'est symbolique tout. Mm-hmm. Ton fiction. Parce que pas que Jésus te mouille. Ton crucifixion. Vous comprenez? Là, on dit le sens pas symbolique. Non, il n'y a pas de crucifixion en partie en sens symbolique. Il y a crucifixion. Il n'y a pas de temps que Jésus te mouille. Oui, mais l'on fait analyse en profondeur ça. Est-ce qu'on fait les, à la lumière de la Bible? Est-ce qu'on fait spirituellement? Est-ce qu'on garde toutes nuances? Paraboliques, métaphoriques? Parce que si on était dans la traduction littérale seulement, on irait. Par contre, tu es d'accord avec Zamaex? Belle garçon, écoutez bien, belle garçon. Dans 2 Timothée chapitre 2, de verset 5, la Bible dit: un athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Moi, je parle en Bible, mais 1 Corinthiens 4, 6, n'allons pas au-delà de ce qui est écrit. Depuis que je parle, c'est la Bible, je parle de là. M'a sorti hors du contexte la Bible. M'a bon la Bible. Lorsqu'il rentre littéral, m'a sorti au symbolique là, m'a parlé de les préfigurations, soi-disant de Jésus, m'a bon Lévitique chapitre 16, à partir de verset 8 à 23. C'est ça, que le symbolique là, parce que bête ça, que. Ah, on te représente par Azazel dans le désert. Là, il te prend tout péché, peuple Israël. Il te met sous bout. Là, il présente le par Azazel comme une offrande. Qu'on est là. Est-ce que symboliquement tout le par Jésus? C'est ça, il faut comprendre. Mais qui j'en la Bible? Non, mais pasteur, il en faveur pour les zombifier. Les que Zama expérimente, il prend. Il dit, OK, si on fait les préfigurations, moi, je vais faire les préfigurations. Tout. Il n'y a pas d'accord. Bourrit Azazel dans Lévitique chapitre 16, là, il a parlé de qui est-ce? Qui pote tout péché peuple Israël là sous dos là de qui est la parler. Parce que dans Matthieu chapitre 4 à partir de verset 1er, effectivement vrai, soit disant Jésus vient mourir pour péché peuple Israël là, la Bible dit clairement que l'esprit bon Dieu pousse dans le désert pour le diable décal tenter. C'est la préfiguration de Jésus qui nous offre dans bon Dieu offre la Satan. Si bon Dieu offre la Satan, un sacrifice fait avec un Dieu supérieur dans Genèse chapitre 22 à partir de verset 1 à 7, à savoir de Abraham et Isaac. Maintenant, Satan est plus grand que Dieu. C'est peut-être ça me dit la doctrine de la rédemption du christianisme, ça vient du diable. Mm-hmm. Alors c'est ça me pas comprendre non. Pendant on dit ça, moi même bon texte n'a pas gardé. Il pas montre que c'est Jésus qui c'est esprit malin même qui emmené. Ouais, ces verbes à utiliser, emmener Jésus même, oui, sous tête maintenant. Pour le tenter. Tendez bien, l'hiver, c'est vrai, bien. L'esprit, mon Dieu, pousse Jésus dans le désert pour sa tenter, qu'à tenter. On ne peut pas accuser les clients, dans n'importe qui, écoutez bien. Mm-hmm. Verset 1er, Matthieu chapitre 4, verset 1er. C'est pas l'esprit malin qui a emmené Jésus. D'ailleurs, là encore, si l'esprit Satan a adoré Jésus, il va bien de vous passer, il va vous faire maintenant, on a une poche fidèle, mal comme Satan a mené eux-mêmes. Mm-hmm. Si Jésus, bon, là, merci, PSG. Bon, si Jésus qui Jésus, l'esprit grand monde a mené le sous-tête, je vais être à Jérusalem, pour le montrer tout le royaume qui est sous la tête, pour le dire, mais tout le monde a mené. Accepte poste nous devant ma baba ou yo ma ben de pou nèg ka fouye a fè moun nan la ya ka propose nou di Dieu ça ka pas même yo pas même passer dans coin de ça mais en garde finalité li tantel mais est-ce que résultat esprit malien t'a cherché est-ce que joini li joini et pharisien dans Jean chapitre 8 verset 37 à 44 qui est-ce qui t'a cherché tu Jésus c'est pas l'esprit Satan et ça le dit oui. C'est volonté Satan nous besoin faire. Mais si c'est la volonté du diable pour Jésus, est-ce qu'il va mourir ou non? Donc, question posée. Qu'est-ce qu'on passe, il répond nous. Réponse en, puisque vous posez question. C'est quoi m'dou la doctrine de la rédemption du christianisme, ça vient du diable? C'est quoi m'dou li? Pour qui ça Jésus m'a dit pardon pour un dalmoun qui rend l'humanité au service? Pour qui ça Judas condamné pour être rendre l'humanité au service? Si c'est ton bien le défait, ou sous la croix, il t'a dit papa!
béni yo parce que yo rendi manito grand service. Ou pas ka mande pardon pour yon moun ki fait bien. Ou, PSG. C'est quoi cette histoire? Bien, on a qui sens bien. Mande pardon pour montre bien la base, on va venir bien. Dans Luc chapitre 23 à partir de verset 43, Jésus mande pardon pour moun yo parce que yo pa konn sa y a faire. Est-ce que si ou fait yon bien, yo ka mande pardon pour yon? C'est parce qu'au fond mal si pharisien dans Jean chapitre 8 à partir de verset 37 à 44 t'a cherché tuer Jésus, lui dit c'est volonté papa et Satan lui besoin fait parce que la mort de Jésus c'est la volonté du diable. Ça c'est pas la volonté de Dieu. Aucun chrétien pas qu'à montrer ça PSG côté prophétie a été annoncé bon Messie qui a venu mourir pour pécher l'humanité. Ou quoi pas gagne qui t'a bon Isaïe 53 m'da tout fond pour grammatical pour lui. On décortique non Isaïe 54 là, on décortique. Isaïe 53. Isaïe 53. On décortique là. Isaïe 53, verset 5. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrises que nous sommes guéris. Il était semblable, je crois que si je ne me trompe pas, il a été amené comme un brebis. Verbe là yon conjugué à la PSG. On nous décortique là nous deux jodi. Verbe là nan ki tan li là. Il était blessé nan ki tan li. Verbe ça directement c'est n'est pas fait de l'indicatif. Lorsque dans verset 7 là dans Isaïe 53, qui ça le dit? Il était hein, pas ça? Il était maltraité et opprimé. Verbe ça c'est qui ça lié? Il était maltraité et opprimé, PSG. Dans qui temps ça conjugué? C'est passé composé. Comme on voulait faire me comprendre verbe ça au passé composé ou dire pour futur qui c'est yon bagay qui était annoncé Jésus va venir. Bon, on est Luc là son monde tête pas droit lié. Luc chapitre 8 lorsqu'il a parlé de l'unique éthiopien avec Philippe, il dit clairement que dans verset 33 et Philippe te dit mais de qui est-ce que tu as parlé là parce qu'il dit il a été maltraité et opprimé donc selon vous-même Zamaex Luc t'est doué mettez phrase ça au futur c'est futur simple pour t'employer non c'est pas Luc qui supposait mettre le futur simple. C'est prophète là dans Isaïe 53 que tu dois mettre le futur saint. C'est pas Luc parce que prophète là parle de bagage qui t'est passé. Il a été maltraité et opprimé, il était blessé et vous pral dire ça c'est pour futur. Mais moi ma vous pas je ne pas dans l'école, nous pas connait pas faire de l'indicatif. Hein? Il est employé pour passer, nous pas connait ça, nous pas connait il était emmené, il était maltraité et opprimé ça, nous pas connait verbe ça c'est au passé composé que lié. Depuis qu'il est ou qu'a utilisé verbe passé composé pour futur saint. Depuis qu'il est qui bon. Depuis dans Isaïe 53 verset 7 8 jusqu'à verset 9, lit clairement, lit catégoriquement a parlé au passé. Bon yon prophétie que yon te annoncé au passé. Bon l'autre exemple, c'est ça que nous map tout petit cours grammatical pour yon. Non, Genèse chapitre 50 à partir du verset 24 à verset 26. Écoutez bien, hein. Lorsque Joseph gagne sous pied lui les maquis Manassé, ses frères appuyés sur son genou, la Bible dit Joseph dit, t'as une prophétie piégée. Je vais mourir. Écoutez bien, hein? Je vais mourir, mais Dieu vous visitera et vous ferez monter mes eaux loin d'ici. Piégée. Ça autant passé au futur. Ça, lié au futur. Je vais mourir. Mais Dieu vous visitera et vous ferez monter mes eaux loin d'ici. Comme on trouve ça avec il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Entre des prophéties, ça. Qui est-ce qui passe, qui est-ce qui finit dans l'histoire? Là, on déjà fait 10 sur 10 parce que vous êtes intelligent. Mais chrétien a fait 0 bar pour Isaïe 53. La vérité, son prophétie qui a annoncé la mort de Jésus. Il a fait 0. Aucun prophétie pas prophétisé ça. Bon Messie qui a vu mourir pour le pardon et de l'humanité. Ça n'existe pas. Et pour qui ça selon même chrétien yo et croit dans la mort et la résurrection de Jésus Christ, yo croit la donne. Si yo croit la donne, qu'est-ce qu'on en sorti?
Ah ben quoi, ça sortit dans mes colons, c'est avec coup de fouet, à coup de bâton, ils ont imposé leur tête. Ils viennent en creux des pères, en fils de génération en génération. On va haïtiens, nous, les Noirs, les Africains, on va qui ça n'a fait, n'a pas tant Jésus, au lieu de nous construire. Bon, bon, l'autre exemple. Je ne sais pas si on fait un cantique, ça n'a 243 français, chat d'espérance. Bien, j'ai, ou d'ailleurs, qu'on est, nous, pas pour télévision, on s'en dit. Voyez, les voici. Lentement approchez au pied du crucifié. Les Africains noirs et sauvages. Piégé. Écoutez bien. Troisième strophe. 243 français chant d'espérance. Voyez, les voici. Lentement approchez au pied du crucifié. Les Africains noirs et sauvages. Piégé. Le sang reconnaît le sang. Le sang appelle le sang. Tout est transmis par le sang. C'est peut-être ça qui est maladie héréditaire. Si on met pas pour camper au traité le sauvage, comment on absente au piège? On va indigner, on va révolter. Ça a révolté conscience. Eh ben pour qui? Non, mais ce texte, faut garder analyser auteur texte là. C'est qu'on raciste, c'est qu'on monde qui écrit texte ça de toute façon. Et pas parce que dans champ d'espérance. Non, il a champ d'espérance en lieu. Qui est-ce qui écrit la Bible? Non, chant d'espérance en lié et chanson ça. Bel garçon. Ah bon, voilà, on a le volant exemple. Qui est-ce qui écrit la Bible? Eh bien, il y a l'homme qui écrit la Bible, il y a blanc qui écrit la Bible, il y a la bouillie, peut-être non. 243 fois, c'est chant d'espérance. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et il dit, entraînez-vous par des hymnes et des cantiques. Que chant l'esprit, bon Dieu, a mis dans la bouche nous. Et dans chant d'espérance, il traite les chrétiens, sauvage, oui. Et pas moi, il traite sauvage, là, moi-même. Oh, papa n'a pas mouru bonne liberté. Écoutez bien. Lorsqu'elle parle pour les hindous, elle dit les hindous misérables. Lorsqu'elle parle pour les chinois, elle parle les mystérieux chinois. Coule rive sous nous les africains. Les africains noirs et sauvages. Et nous t'inquiète des chants d'espérance à la même pour pas chanter. Tout joyons, bénissons les seigneurs. Oh non, papa n'a pas jamais. Et peut-être ça me vient pour me bailler liberté mentale, PLG. Non, mais, erreur ça yo. Et c'est des erreurs qui glissent, qui a toujours corrigé yo. Même Jean le dans musique là on dit mais là les esprit saint descend mais n'importe mauvais esprit qui descend qui des erreurs qui a passé maintenant quelques textes par contre c'est quoi ça esprit saint descend bon pourquoi Jean moi chrétien qui a chanté bienvenue saint esprit les autres la calice c'est bienvenue saint esprit mais nous dans présence elle dit saint esprit elle va sur la calice là mais il était croisé dans la rue oui c'est dans l'église venir le saint esprit bienvenue bye catalyse PLG pour venir faire mon dom ici à la PLG. Et c'est l'Esprit Saint allé à descendre, l'Esprit puissant, l'Esprit Yahweh, l'Esprit qui élevé Jésus dans la mort, Jésus de mourir, à qui l'aile de mourir, qui chrétien qui a montré selon les prophéties bibliques, gomme si tu es pour venir mourir. C'est pas vrai! Menti! Les sauvages, ils sont bons sauvages, les pasteurs, ce sont des sauvages. Sauvages, bon, et pas moi, même non, Père, je crois, 243 fois, c'est chant d'espérance, troisième souffle. Et pas moi, même dit. Qui ça, le sang de Jésus, lui symbolise pour vous? Oh, il dit tout, parce que pas que Jésus qui existe, il va symboliser rien pour moi, dit tout. Ah, ça n'existe pas, il va symboliser rien pour moi, dit tout. Rien dit tout. Bon, bon exemple. Faut pas croire que sans ça qu'a sauvé ou, sauver la vie ou, sauver l'humanité. Gossel sans que t'es sauvé, Zama, expliquer les sans papa, non, je vois toutes les ancêtres qui t'es goumé avec Dieu. Pas que Jésus qui t'a sauvé, vous. Gossel sans que t'es sauvé, nous. C'est sans ancêtres qui t'es battu avec Dieu pour nous donner l'indépendance. Et ça qui t'es sauvé, nous. Sinon, chacun de nous, t'as plus pas t'appeler avec Amirazala. T'as travaillé très dur, belle garçon. T'as pris un pile coup de fouette dans le belle garçon. Ouais, actuellement, là, madame ou madame colon. C'est peut-être ça, mot français, ça a venu colon, guette ta mère. C'est le verbe surveiller que le colon guette ta mère. C'est ça que t'as privé. Mais ça que l'on dit ici, hein, colon guette ta mère. Là, au franc et en créole, il est révolté. C'est ça que t'as privé, même avant. Madame colon, si c'est pas de dessaline. Et dans le débat qu'on a fait là, je dis, il y a trois mots, il y a trois concepts d'amando. Expliquez-nous. Et ça veut dire le pardon, ça veut dire la conversion, et ça veut dire la repentance. Wow, trois belles mots. Oui. Le pardon, ça le fait pardonner. Conversion, pardon, repentance. Conversion, c'est changement. Mon caractère mécanicien là, et puis rapide, vite, nous convertis, mais nous agonome, son conversion, son sorte de conversion. Ou caractère qu'on fait un mauvais acte, et puis ou te bandit,
et puis bon, ou repenti, pour me répondre à toute conversion, ou repenti, et puis comme on te dit qu'on t'a l'école, ou bien tout partout dans le monde, ou vient de ou entrer dans l'académie, ou vient de devenir police, qu'on est converti, non seulement repenti dans le mauvais acte là qui c'est banditisme, maintenant ou converti, ou entrer à l'académie, et puis rapidement, ou vient un policier pour protéger et servir. Et Chrétien, au cap sur vous là, quand il y a deux mots là, il y a un mot utilisé pour vous, qui t'a semblé avoir, ou qu'on est fort à converti. Chrétien, au cas d'où ça, il y a autant de langage, il y a autant d'approches, il y a autant d'explications à bailler sous Bible, il y a autant de gens à projeter et gens à souiller le nom de Jésus. Peut-être c'est capable d'approcher, soit à réagir. Comment tu as réagi? Je vais réagir. D'abord, faut que m'ta jwenn sa k manke a. M'pral fon demach PSG et puis Chrétien bon sa k manke a. Ou d'accord? Lorsque la Bible parle, pour m'kwen nan Jésus, faut m'jwenn sa k manke a nan pizè la. Lorsque ou li nan Matthieu chapitre 27, de verset 50 à verset 53 ou 51 à 53, la Bible dit: lorsque Jésus mourit, porte tombe yo ouvri. En pile moun ki te kwen nan bon Dieu, yo ressuscité lors de la résurrection Jésus, yo monté ensemble avec. Ki sa la Bible va dire? Nan 1 Pierre chapitre 3 de verset 18 à 20, Pierre dit clairement: lorsque Jésus te mouri, li t'al prêché kon nan ki te mouri depuis longtemps yo, même nan tan noyé yo. Lorsque ou li nan 1 Corinthiens chapitre 15 à partir de verset 55, lorsque il pral rive nan pays côté moyo yea, li pral di: mort, oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Lorsque ou li encore nan Apocalypse 1er de verset 18, li pral di: li genye clé la mort et le séjour des morts. Maintenant, c'est la clé qui compte. La Bible pral di nan Éphésiens chapitre 4 à partir de verset 8 à 11 ou 8, 9, 10, étant monté en haut, il ramenait des captifs. Lorsque le mouton l'a ramené des captifs, c'est des moun qui étaient ressuscités dans Matthieu chapitre 27 verset 50 à 53. Et il fait don aux hommes. Lorsque le rive en l'air, c'est le terme herméneutique théologique qui ça quoi dit dans Psaume 24 verset 1 porte: élevez-vous les taux, élevez-vous porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'éternel des armées. Porte, élevez-vous, élevez-vous les taux, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'éternel fort et puissant. Maintenant, lorsqu'il rentre avec captif Saïo, et ça fait dans Ephésiens 4, 11, libéral dit comme ça que il a donné les yeux comme apôtre, prophète, docteur, évangéliste. Maintenant, on nous avance. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 7, il dit les gens que David l'a nommé. Si les Jésus te ressuscité dans Jean chapitre 20, Marie moun Magdala t'a pral touché, li dit pa manye poukou mouté a jeune papa ki donc li getan mouté, li descend avec pile tout son clé sac nan men Jésus. Finalement li fini par tourner tout le mouté, tout le descend son seul bagage il manque là. Parce que imagine bien, faut chrétien mette tête yo là, yo pa ka attendre retour de Jésus. Te pral getan mouri, le ressuscité, li levé, li monté, li retourné descendre, li remonté, le tourné descendre encore avec on tout son clé dans même ça, c'est parti que le monde dit le descendre pour seul bail manqué. Qu'on y a m'pral converti. Que un pasteur qui gagne 20 000 dollars au PDC à chaque bail là. Le pignon pasteur fait ça. Est-ce que ou ça quand arrivé au prier des fois à Maex, ou quand prier? Ménagement, les nouvelles se font bagay. Parfois, non, on ne doit prier non bas. Ou quoi, ma qu'on a qui sont quoi? Ou ne doit pas quoi dans Jésus, mon cap prier. Non, l'autre bagay, ma qu'on est. Faut qu'on bien justifier. Lui, parce que la Bible prie. Parce que parfois, les ménages, là-bas, ils font bagay. On va prier Saint-Étienne, qui est tout. Prier la Saint-Étienne. Moi, je vais prier comme si je prier. Non, moi-même, automatiquement, je me lever, je me courage, je mal travailler, mal bousquer la vie. Je prier. Vous savez maintenant, là, et puis les 15 ans, non, bien les mois, arrivé du grâce, la vie, n'approche pas, oui. Mais qui prie, on va parler là. D'ailleurs, moi, je vais aussi prier. Ok, on ne va pas prier. D'accord. On non, ouais. Mais, mes amis. On va pas prier, d'accord. On avance, non, pour nous, ouais. Et qui véritable désaccord vous avez avec le Dieu de la Bible? Volonté, volonté, ah, volonté, bon Dieu dans la Bible, la volonté, volonté, volonté. Bonne explication, non, quand qui tel voleur? Sophonie 2, verset 5 à 8, Lili Palestine ou bien Philistin, Canaan, c'était Philistin, yo.
si Canaran c'était Philistin, on a somme 139 à partir de 1 à 12. Il dit bon Dieu, tout le monde, l'autre nation, il prend terre, nous, il baille comme héritage. Et puis, l'autre répond, oui, il n'est pas besoin de suspendre, mais nous, il touille Og, roi pays bazar, oui, il n'est pas besoin de suspendre, mais nous, il touille Wayo, il prend terre, nous, il baille avec héritage pour Jacob, oui, il n'est pas besoin de suspendre, mais nous. Bon, Dieu, il y a un pouvoir comme ça, l'éternel, la terre, c'est qu'elle referme le monde de ceux qui l'habitent, pas ni passer, peuple, l'autre, pour nous quitter, ça pour y aller, bon, l'autre terre. Pour protéger tout le baiser, tout le monde. Dans Exode chapitre 20, à partir du verset 13 à 14, n'est-ce pas? L'Ibral dit ou pas supposé tout le monde dans la loi. Bon Dieu, nous pas doué tout le monde dans la loi, PSG. Dans Josué chapitre 8, l'Ibral Josué a commis un génocide la ville là. Josué tué plus de 12 000 personnes, y compris les femmes et les enfants. T'es quoi le dit tu ne tueras point? Hein? Dans Josué chapitre 1 verset, il dit que le livre de la loi était loin pour l'état bouché, mais dit que le jour et nuit, il va faire pour gagner tout ça. Non, mais pas mettre un bouton dans gauche, non, pour le voter. Ou qu'a fait choix tout. Hein? C'est ou fait choix tout. L'homme qui fait choix tout, mais l'interdit tout. Il y a une volonté permissive. Non, ou gagner le pouvoir. Le libre arbitre. Non, c'est l'état. Attendez, dans Exode, dans Deutéronome chapitre 23. Dans Deutéronome chapitre 20, Deutéronome chapitre 22. C'est mon Dieu, oui, voyez Moïse al commettre génocide, il tue à ta nourrisson, oui. Bébé à ta bébé pour passer tout au fil de bébé, oui. Lorsque Moïse te descend mode avec les 10 commandements dans mes lits, c'est lui qui te mette épée dans mes tout petit garçon, les vieux, il fait tout, tout le monde en total, il y a 12 000 monde qui te tombé en bas côté petit, les vieux, oui. C'est mon Dieu, oui, te fait. Oh, oh, mon Dieu, oui. Non, l'amour. Dieu a l'amour, Dieu est amour, il y a la foi violente ou des fois. Dieu a plusieurs facettes. Ah, oh, mais finalement, Dieu a, nous pensons que Dieu a pour contrôler, Dieu a est déséquilibré. Dans Psaume 75, verset 65, il dit c'est élevé dans le monde comme qui lève bas gros, il dit déséquilibré, il dit ça déséquilibre mental. Bon, il y a un problème, il y a un problème mental. Faut nous fasser des solutions. Oh, Exode 15, verset 3, il dit l'éternel est un homme. Ouais, bon Dieu, son homme. Exode 15, verset 3. L'Éternel est un homme de guerre. Son nom est l'Éternel. Erare ou manomès. Et ça, la terre dit erreur, c'est domaine de l'homme. Erreur, c'est domaine de Dieu. Tout. Si bon Dieu, pour qu'on stable, il y a un déséquilibre mental. Bon Dieu, Bible, il y a un déséquilibre mental. D'accord. Est-ce que vous croyez dans un Dieu créateur et Zamaex? Je crois dans un géniteur. Un géniteur. On parle de papa, qui fait bah là à maman, composé de 46 chromosomes. Oui, mais processus ou pas, ouais, ça que fait yo. Chromosome ça yo, ça crée yo. Chromosome ça yo. Parce que vous considérez papa comme un géniteur. Spermatozoïde, là d'ailleurs, oui, qui considère. Attendez. Moi, avant à l'école, nous n'est pas là, qui pour venir faire nous sortir ici, là. Nous composons des 43 chromosomes. 23 pour la mère, 46 chromosomes. 23 pour la mère, 23 pour le père. Nous avons 22 autosomes et chromosomes qui constituent le code génétique là, et un autosome qui constitue, qui va déterminer le sexe là. Parce que féminin, c'est X, X pour garçon, c'est X, Y. C'est garçon déterminé pour sexe dominant. Nous, à l'école, nous faisons biologie des garçons. Voilà, mais nous sommes sortis ici là. Moi, composé de 46 chromosomes biologiques qui sont dans le papa, moi. Et puis quand tu es dans ma maman pour ville, et puis voilà, mes grands mounes là, on ne va pas dans le choix de la liberté mentale. Et vous pensez que nous avons fait de l'autre façon, même pas que nous avons acte de naissance. Le cerveau humain, ça crée. Ah, moi, ça fait partie des 23 chromosomes. Non! Ça fait partie des 22 chromosomes qui constituent le code génétique là. Poisson dans la mer. Poisson dans la mer, Zamaex. Qui est-ce qui crée poisson dans la mer? Qui est-ce qui crée cabrit? Yo ka lézé. Hein? Yo cabrit couche à cabrit couche à cabrit. Pourquoi elle aime des cabrit croisés? Cabrit couche à cabrit belle garçon. Pourquoi elle croisé cabrit couche à croisé? Nous ka acheter cabrit supporté, mais nous acheter bœuf supporté, acheter cochon supporté, déporté bœuf. Nous va outer les vendre yo mon frère. Coupé ou coupé yo croisé. Étoile, étoile dans ciel là n'a regardé à soleil là. N'a regardé à la lune dans ça crée yo. Bon là qu'on est l'autre de nos l'autre bagage. Là nous étoile là c'est bon bah 5 points non frère moi étoile yo c'est des planètes yo c'est l'autre bagaille oui ça crée moi même pas connait qui ça crée moi d'ailleurs mais je ne monde qui dit ça crée moi même le créateur yo ou bien comme on dit c'est Big Bang
Mon cher, non, je ne suis pas moi-même. Lorsque j'ai un tableau, bon, là, mais pas de gagner pour faire tableau. Sans doute, tableau à grande hauteur, pas vrai? Parce qu'il dessinait un paysage de grande hauteur, pas vrai, PSG. Ni moi, ni où, nous pas contre hauteur. Interdit, ou devait mon lien, vin dit peuple haïtien, mais qui Dieu qui crée l'univers. Pour qui raison? Parce que si nous-mêmes, nous les noirs, nous l'argent, nous pas contre Dieu ça. C'est Abraham qui vient avec Dieu ça, les Abrahamiques. Quand il a pour venir dire c'est lui Dieu a, Égypte pas qui existé. Pour venir dire oh c'est les Européens qui viennent montrer mon Dieu avec coup de bâton, coup de fouet et puis pour me d'accord c'est bon Dieu ça, ça c'est bon Dieu blanc des belles garçons. Ça va bon Dieu pas nous. Bon pose une question tout à l'heure. Si après définition comment on dit ça, être suprême. Mais PSG, nous t'as l'école, nous doulis. Nous pas quitter qu'un bagaille bide vient faire nous fou. L'on parle de être suprême. Sous bail chat la fait être suprême. Il a fait un gros chat. Par définition même. Sous bail chien fait être suprême. Il a fait un gros chien. Ou pas qu'à bail un chihuahua fait être suprême. Il faut le faire un gros bulldog belge allemand. C'est quoi cette histoire? Il n'y a pas qu'à être suprême. Il n'y a pas qu'à gagner. Ou pas qu'à bail un cabri de fond être suprême. Pour le fond lion. Ou pas qu'à bail un torti font être suprême. Et pour le fond gros éléphant. Non, gros éléphant font éléphant. Kabri t'a fait kabri. Moun fait moun. Être suprême, non? C'est un être comme si qui suprême. Et il définit à un personnage. Et c'est sa technique ça que Blanc fait. Non, non Bible, là, ou pas, dans Exode 15, verset 3, il dit l'Éternel est un homme. On a Genèse chapitre 18, bon Dieu descend, il parle à Abraham, bon Dieu mange, créa-t-il là, bon Dieu chita, Abraham lave, puis bon Dieu bre, l'homme mange au bre, puis voilà là, c'est loin dans la terre, bon Dieu dans la terre, il bon. Est-ce que ça pas Jean Mouveau en tant que antichrist ou a pensé avec finalité vu ou Jean vous pral fini côté t'es sorti qui m'ont pral aller est-ce que quoi va mourir bon pose une question ça Zamaex est-ce qu'on pense va mourir des fois comme antichrist bon pose une question ça mon monsieur taquino vous me gardez moi pour moi ça quand traverso beaucoup de les mourir ça cap vient après côté me braler côté esprit me braler côté nan moi braler ou pas quand poser question ça yo l'esprit ne meurt jamais et peut-être ça m'accompagne de l'esprit papa Nachon qui c'est idéologie papa Nachon qui c'est force victoire énergie puissance papa Nachon l'esprit pas ca mourir idéologie pas ca mourir c'est ça l'esprit a c'est rêve là c'est ça lorsque travaille ou vient concrétiser c'est ça l'esprit a. Maintenant là que mon côté me parler, m'te dit déjà, m'pa konn 6 ans 7 mois dans fou nou y a kibi. M'pa konn 6 ans 7 mois en bas la mer. M'pa konn 6 ans 7 mois dans lieu céleste. M'pa konn 6 ans 7 mois au milieu nulle part sauf que m'konnen pour travail moi m'vini pour me faire, m'pa le rejoindre yo la tête rote fier. Oui, faut mourir PSG. M'pa gauche. Mais m'garanti tout. M'pa tourner ça m'pa faire ça même pour me faire. Comme libérer l'esprit peuple noir ça aussi j'ai des bibles colonialistes ça et pasteur ça au cap fouet pasteur avec bandio c'est même volo bandio nous démerde bam tout ça qui ça pasteur de la quitte d'adoration levez-moi les portez dans offrande dans portez by le seigneur même volo au fouillot tout il faut lever des mots les pour l'éternel il y a fouillé pour chou et même volo qui nous aller la tête rote fier d'accord ou dit sauvine faire. Mais souvent, ils font bagarre sur la terre. En mission, qui est-ce qui va en mission? Eh bien, c'est peut-être ça, ils ont parlé de acte d'ancestralité. C'est peut-être ça, ils ont parlé de esprit papa Nachon. Parce qu'ils étaient un esprit, ils étaient un rêve pour te concrétiser. Ils ont tout eu, ils n'ont pas été concrétisés. Maintenant, il faut avoir une continuité. C'est ça que l'ancestralité. C'est peut-être ça, ils ont dit, le sang appelle le sang. Tout est transmis par le sang. Le sang reconnaît le sang, c'est peut-être ça des maladies héréditaires et voilà pourquoi héréditaire là moi gagné un gène héréditaire dans moi qui a crié vivre la liberté mentale qui donc vous comprendre dans ce balai assez clair là. D'accord, en clair, la création des cieux et de la terre et c'est le fruit du hasard pour vous-même, c'est un hasard. Non, m'a dit ça. Sauf que personne va pas oser venir dire c'est tel qui fait. Oh mais qui bon Dieu qui fait comme veut pas tonner. Et peut-être ça me sont donné ça appelle le ça. Bon Dieu a vu dans moi. Soit disant et ben ça dans Bible là non, dans Bible là il m'a fait amener ses volontés.
Et pas ça, yon bam nan Bible la, non. Si yon être suprême, son bon définition, hein, si yon force dans la nature, nous te parlons de les quatre éléments, terre, l'air, l'eau, feu, automatiquement ou absent de tous les quatre éléments, ça yon finou mourir, pas bien vivre ou encore. Rien va sauver encore, mourir. Ok? Énergie à vivre nan moins. C'est énergie qui construit le monde, l'humanité, etc. Bon, la vivre nan moins parce que yon fait partie éléments. Mou al bon exemple, Pierre. Si que yon loi, ou son père de famille, ou mette yon loi, ou même qui se père de famille, ou désobéi loi, mou garantou, ti moun yo gen doa pou yo révolte. Si que ou se chef de l'État qui gen constitution, ou anti-constitutionnel, population gen doa pou le révolte. Si que yon créateur désobéi à loi, création, toute créature gen doa pou yo révolte. C'est ça. On va suivre Blocus. Alors, on a rappelé Blocus, c'est une émission de formation, d'information et d'éducation. Les diffusées, l'on se le rappelle, en direct et simultanément du lundi au vendredi de 4h à 6h PM. Eh bien, merci de votre fidélité. Invité aujourd'hui, hein, on connaît déjà, c'est l'Antichrist Mackinson Exeus, connu familièrement sous le nom de, sous le nom spirituel Zamaex. Avec lui, on a parlé de la Bible. Eh ben, on a regardé pour qui ça Bible hein, et lié objet de toutes contradictions ça y est, de toutes controverses ça y est. Origine de la Bible, différence entre Ancien Testament et Nouveau Testament, autant d'éléments nous déjà abordés. Cependant, on va l'observer pause commerciale là. Au retour après la pause, nous gagnons deux trois autres questions nous pour nous poser. Invitez-nous parmi eux et qui sort et qui est réservé à l'humanité selon Matthieu 24. Nous allons regarder tout après la mort. Yo quand dit c'est le jugement. Nous allons regarder opinion sur bagasse parce que nous connais quelqu'un qui dit après la mort c'est le néant. Qui ça pour nous quoi? Est-ce que c'est après la mort c'est le jugement? Et puis qui sort qui est réservé aux antichrists? Bien entendu. Merci de votre fidélité. Sans transition, on a rentré dans rubrique qui c'est Blocus publicité. On a fait qu'on est rubrique ça, il vise à faire la promotion des petites et moyennes entreprises, des pour petit business ou t'as mais nous parler de lui, mais formule là c'est Blocus publicité, téléphone Blocus publicité 1, c'est 37 62 47 95. À titre d'exemple, gen une bonne nouvelle qui fait tomber là, qui pral fait que compatriotes nous qui vivent dans le monde là particulièrement et dans pays États-Unis content en pile, moi sûr que nous voulons qu'on ait nouvelle ça, et ben rassembler vinn tande ou même qui gen marchandises, colis, machines, conteneurs avec tout l'autre objet produit et la trier au tarimé expédié dans toute Caraïbe, spécialement en Haïti, République Dominicaine, Martinique, Guadeloupe, Jamaïque, Mexique, Canada et la trier, mais moi, ben, nous garantis, choisi compagnie Simbi International. Gon l'autre possibilité, compagnie Simbi International à poufri nous, ou même qui tarimé et order, ben, qu'on est quel que soit Salian, soit sur Amazon, etc., etc., ben, de vous contacter Simbi International à Pédo, je ne sur besoin sur Amazon au plus vite. Eh ben et Simbi International, il pas gain rival dans domaine cargo shipping, expédition et transportation. C'est ça qui fait compagnie CSE qui veut dire transportation, sécurité et administration bal droit à licence pour fonctionner pour faire expédition marchandises ou colis, machines et la trier vers Haïti Saint-Domingue à l'autre pays encore dans 24 heures. Eh ben tellement compagnie Simbi International, c'est un gros affaire, les mêmes rivés, respecter 3 dans 4 éléments yo, et dans sa gain rapport avec expédition, marchandises, 3 dans 4 éléments yo, mais ça veut dire que li fait expédition par avion, et li kavo et bah yo pour par bateau, et puis il fait expédition terrestre, c'est ça que fait nous dit, li veut respecter dans 3 dans 4 éléments yo. Et mais pas dit que nous bat connaît, et que Simbi International gain responsabilité tout, pour le poté ak shipping toute cargo compagnie Sunrise Airways c'est li gagne responsabilité ça sa. Sak pi bel lan ak encourageant
si vous vivez aux États-Unis, vous avez envoyé une marchandise dans le pays Canada, et mes compagnies Simbi International, qui passent, prennent le pouls pour la déposer le Canada, vice-versa. Souvelez tout, qui viennent déposer marchandise dans un gros dépôt, nous gagnons. Eh bien, Simbi International, et si vous ne voulez tout, vous volez les colis, vous attendez, vous perdez 2-3 bagages, vous mettez dans les colis, souvelez les colis, vous arrivez à destination. Sans pas gagner gratter tête, sans pas gagner un perdu, sans pas attendre au perdu colio, un ben jodiant et compagnie pour faire confiance, c'est Simbi International. C'est ça fait nous dire les Simbi International dans 305 842 2900, 305 842 2900, car il est autour dans 305 786 2429, ou car visiter Simbi International dans adresse liantou qui c'est 13401 Nord-Ouest 47e avenue numéro 1 Miami Floride 33054. Pas oublier contacter Simbi International tout dans adresse électronique client qui c'est www.simbiinternational.com. Alors, et Free a écrit FREIGHT, Symbian, CCIMBY. Donc, solution à Jean Mdoulan, de pour vle et coulu arrivé, ou pas vle casser tête, ou pas vle perdre kobo, eh ben, confier Symbian International pour le voyer coulu pour même, pour le poter ou pour l'expédier. Nous toujours dans rubrique blocus publicité en zanmi mou konnen tout problème ou fait face dans la vie a gen solution. Sou ki te problème ça au fin avant, c'est ou même qui la cause grâce à docteur Jimison Pierre lui qui sont spécialistes en numérologie, li gen connaissance et capacité pour dire tout ça qui bloquer la vie ou à tout ça doit faire pour sortir dans tout calamité ou koyen. Et ben dans sens ça docteur Jimison Pierre lui a fait étude numérologique là pour et puis l'a tout dit on sait de somme qui marche avant, somme ça a faire gros progrès dans la vie comme ça. Depuis ta ouais ou gen problème spirituel ou ta vle apprendre training ak la coaching, rele docteur Jimison Pierre lui nan 972 891 1518, 972 891 1518, ak docteur Jimison Pierre lui ou ap ka konnen tout sa k ap passe nan la vou ak tout complot y a fait contre pour retirer sou bout ça. En suive docteur Jimison Pierre lui. C'est quoi c'est tout à ici moi yo. Moi offre un coaching service sur ta besoin sorti dans pauvreté ou besoin connait comment ou ka unleash your inner greatness ou besoin connait powerful strategy pour become successful pour rester successful pour connait comment ou ka unlock your financial freedom pour acheter kay pour investir dans kay pour aider l'autre monde acheter kay pour apprendre comment ou ka become a real estate agent comment ou ka become a real estate investor ou ka join real estate coaching one on one ou ka retirer tout spiritual problème dans la vie que n'importe côté yo maré ou que n'importe monde qui fait que n'importe bagaille d'ailleurs ou gain 14 sommes ou ka utiliser ou ka délivré ou konnen enjoy ou gagner numéro allé di numéro ou ka utiliser ou become successful ou konnen comment ou ka retirer tout problème spirituel dans la vie ou ka apprendre plus que 3000 strategy ou become a super financial trader ou ka apprendre technical analysis fundamental analysis comment pour master equity market là comment pour master option trading forex trading bond trading cryptocurrency trading commodity trading future trading ou ka master comment pour trade momentum trading correctly trade swing trading comment pour invest na warren comment ou ka sorti nan pauvreté ou ka changer mindset ki be moun nan pauvreté ou même ki ta besoin bay tête ou en chance contactez docteur Jimison Pierre Louis écrire sur WhatsApp 972 891 1518. Sou ta besoin devenir un bon bagay nan la vie ou ta besoin changer la vie année ça c'est année ou c'est chance année ça déclarer ou délivrer pas quitter moun peser pas quitter moun faut faire derrière quoi nan ou investir nan ou mettez coach docteur Jimison Pierre Louis nan la vie ou investir nan tête ou sort tout spiritual problème ki gagner tout côté yo maré pour gré retirer problème ça yo dans la vie ou mais quoi nan ou let's do it c'est quoi c'est tout haïti moi yo ou toujours dans rubrique blocus publicité hein ou apprend pile baf dans l'amour ou pour que j'aime ka joine yon nèg ak yon femme qui comprend nous et qui veut vivre avant la jap monter sous double 6 presque mouri dans rien ou même rivé dit des fois ou pas gain chance c'est l'amour pas exister encore pour mais si se prend plein l'amour a toujours existé. Et pour le pas ta existe, il faut que je ne t'a calé. Mais ces choix ou fait ou te fait pas bon, c'est pas l'amour qui pas bon. Et ben dans sens ça ou même qui besoin nous garçons avec une femme pour faire route la vie avant, et ben et ou t'as besoin une amoureuse à l'abonné kounya la même à site internet ça qui relé sasiyet.com. alors sasiyet là écrit S A S I Y E T. Donc à l'abonné
ak site internet sa ki se saciette.com. A l'abonné pou ka joine chance pour là, a l'abonné pou ka mette fin nan relation amoureuse toxique. Paul Landi dans la vie chacun a son kina, ben nous-mêmes amour ak amoureuse nous doit dit tout ak saciette.com, nous pas souffrir dans l'amour encore. En suive. Nombreuses sont les personnes qui ont peur de construire une nouvelle relation amoureuse après un échec, parce que, pour eux, faire confiance à une autre personne causera à nouveau le même problème. Saciette est conçue pour vous permettre de trouver quelqu'un unique avec qui vous êtes censé vous connecter. Chez Saciette, notre objectif est de vous aider à avoir un copain ou une copine de confiance et de construire de bonnes relations. Nos algorithmes de correspondance peuvent vous connecter à de bonnes personnes. Vous pouvez chatter romantiquement, voir des photos, vous amuser et même vous rencontrer. Saciette est votre salon social en ligne pour les réunions et les rencontres amoureuses pour parler et répondre aux besoins sentimentaux de la vie. L'inscription sur Saciette prend 2 minutes et c'est totalement gratuite pour vous. Pourquoi êtes-vous toujours célibataire? Joignez le meilleur site de rencontres du monde, Saciette, et listez votre profil aujourd'hui pour rencontrer l'homme ou la femme de votre vie. Saciette, riez ensemble. Et gagnez la clé du cœur de quelqu'un. Inscrivez-vous sur saciette.com pour trouver votre romantique copain ou copine aujourd'hui. Saciette, votre communauté d'amour. Nombreuses sont les personnes qui ont... Nous toujours dans rubrique blocus publicité, hein, ou même qui t'a remé qu'on est vrai sens mystique là, qui ça ésotérique là, pour qui ça Bible en plus divisé au lieu li ini, qui ça alchimie acta waye, ou même qui t'a remé qu'on est pour qui ça Jésus t'est parlé en parabole, ou même qui voulait comprendre sens mystique tout texte sacré, eh ben moi invité nous à l'abonner kounya même à channel YouTube Cyclops Sacré. Alors Cyclops a écrit C Y C L O P S E sacré en jeune connais là. Alors Cyclops Sacré, c'est un channel en anglais, espagnol et créole avec français. Attention, ça y a dit sous channel ça, c'est bagaille ou poko jambe contendé. Moi ba nous garantie, nous pas déçus et c'est ap tan kou yon vraie initiation. Cyclope Sacré c'est un channel k'ap délivré nan nou, k'ap retire chaîne nan cerveau nou et ba nou en pile potentialité pour nou vinn yon vraie mystique. A l'abonné kounya sou YouTube, Facebook ak TikTok, bagay pou ta payer en pile l'argent ou ap jwenn yo gratis ti chéri. Donc a l'abonné, abonné, encourager zanmou, abonné, pa kenbe trésor sa pou kontou. Donc Cyclope Sacré c'est une délivrance, une espérance, une permanence, une jouissance, c'est la providence, tout ça le dit fait sens. Mais ça pas engagé émission blocus, c'est payé, yo payé pour passer. Merci de votre fidélité, merci de votre attachement viscéral à blocus. Ah ben m'a toujours mandé au continuer à abonner à channel blocus. Parallèlement, m'a toujours mandé nous tout à l'abonner avec chaîne YouTube maintenant. Qui c'est Pierre Richard Guillaume Info. Invité aujourd'hui dans blocus ce qu'on a déjà, c'est l'Antichrist Mackenson Exeus, connu familièrement sous le nom spirituel Zamaex. C'est lui-même nous gain aujourd'hui comme invité dans blocus. Zamaex nous était 2-3 éléments avant que nous refermer l'émission ça, nous va regarder rapidement qui sort selon ou même qui réservé à l'humanité Sintara les Texa texte Matthieu 24 là. Bon temps des réponses. Là que nous parlons de Matthieu 24, nous connaissons le chapitre là en pile, mais moi-même avec pasteur Chalate, je connais les citoyens, moi-même c'est citoyen, c'est là qu'il y a un problème, qu'il y a un problème. Dans Matthieu 24, 15, il dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Texte li effectivement li écrit dans Daniel chapitre 9 verset 27. Si vous rappelez ou après même que t'as penché sur lui parce que question ça me connaît pas capable venir dans Matthieu 24. Jésus pas t'exister. Texte Daniel là son prophétie qui était accompli depuis même avant époque pas nous. Daniel chapitre 9, li pa ka di c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel. Ça veut dire, il fait comprendre le texte Daniel là, qui est dans Daniel chapitre 9,
verset 27 là, son bagage qui gagne pour arriver dans le futur encore. Lui pousse toujours. Or, son bagage qui arrivait depuis longtemps, lorsque le peuple Israël était en captivité. Lorsque on lit en Daniel chapitre 9, verset 1, verset 2, où est Daniel qui a cherché qu'on est qui l'a 70 ans, peuple Israël là, t'a fini pour retrouver tes provisions, pour retourner la caillou. Daniel te parlé de un Messie qui vient pour venir. Messie ça vient depuis bel et bien longtemps, PRG. Prophétie ça accompli depuis notre époque, Esdras. Prophétie ça accompli depuis notre époque, Néhémie vient prendre les frères Maccabée qui ont été parlé. Ça veut dire, qu'on y a là, comment Jésus charlatan ça fait le Messie dont a parlé le prophète Daniel en Daniel chapitre 9, verset 26 à 27. C'est l'autre terme herméneutique théologien. Il a défini, il a dit, non, au cours de 69e semaine, moins qui vient pour retrancher, c'est de Jésus la parlé. Et puis pour même Jésus, ça dit, ça qui vient pour arriver dans Daniel chapitre 27 là, et il vient pour arriver encore. C'est quoi cette histoire? C'est que le monde qui a écrit le livre, excusez, Matthieu, pas écrit par Matthieu, il y écrit quelque part dans le livre de Matthieu pour nous dire, parce que donc on est principe et détective là, il dit, pour attraper un tueur, il faut d'abord trouver l'âme du crime. Et je suis à ma ex-même. C'est le détective là qui m'a démasqué charlatan. Matthieu 24, verset 15, pas nul droit pour l'écrire, pour dire, Jésus dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez, verbe la pas au futur encore, parce que ce mariage qui est passé. Lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi dans le lieu saint, que celui qui lui fasse attention. À l'heure actuelle, là, temple en peau crasé depuis l'an 70 avec Titus. Mais qui les bagages ça peut arriver? Et parti qui dit, l'on a famine dans le monde, et maman contre pitié, bruit de guerre, etc. Où tu mettre comment se mettre en soupigano? Il n'y a pas noté que ça? C'est pas pour futur. Vous entendrez. Oui. Quittez un bon bel garçon, moi. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Mais depuis le ciel, Satan, Patam, Gouma, avec les anges de Dieu, c'est la Bible. La guerre commence depuis le ciel. Amine, grand goût, pas de pas de grand goût et parabole dans Luc chapitre 16, pas dit Jésus charlatan te gon nom riche avec Lazare, pas de famine depuis longtemps. Pour qui ça Jacob te quitte Canaan pour te descendre en Égypte avec al jeune Joseph en Égypte, c'est pas pour être famine, t'es toujours que famine. Papa pral compte petit, est-ce que Ruben pas couper madame et Jacob en Jacob chapitre 49, Jacob pral dit Ruben mon premier né au souye couche papa ou papa petit, ça c'est bagaille qui l'a depuis longtemps, c'est bagaille qui est pour arriver tremblement de terre. Mais c'est tremblement de terre, son catastrophe naturelle, ça pas qu'à prophétie, son bagaille une catastrophe naturelle. La guerre qui a fait tout près, la guerre qui a fait bien loin. Bon, la guerre éclaté depuis côté dans le ciel. Selon la Bible. Première guerre, les théologiens ont dit ça. Première guerre, il a éclaté dans le ciel. Quand il y a bien dit la guerre, c'est prophétie. La guerre, pas prophétie. Famine, pas prophétie. Tremblement de terre, pas prophétie. Ça n'a pas qu'à prophétie, PRG. Parce que c'est des catastrophes naturelles. Comment on va faire prophétie là? Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublé, il faut que ces choses arrivent, mais ce n'est pas encore la fin. Depuis le ciel, il y a une guerre. Famine dans la Bible, famine depuis même avant la Bible. Jacob t'a levé d'un bon. Un exemple, dans Genèse chapitre 20, pour qui ça Abraham t'a levé d'un Abimelech, par exemple, peut-être famine qui te frappe, les Abimelech, ouais, Sarah, Abraham, Van Sarah, bah, Abimelech, lui dit Abimelech, c'est celle-là. Et pour que tu parles là, il dit Abimelech c'est celui. Oh oui, c'est bon seul sous bon, lui c'est petit papa, lui pas petit maman. Et puis même bon Dieu dans la Bible, voilà qu'a réglé Bible à faire. Même bon Dieu dans la Bible dans Lévitique, est-ce que c'est Lévitique? Lévitique chapitre 23 à partir du verset 18 à 23, lui interdit pour demi-frère marié à demi-sœur et puis il bénit Abraham avec Sarah. Bah, D'accord, on apprend avant dernière question et après la mort, c'est le jugement selon la Bible. C'est opinion pour tout. Ah, quand il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9:27.
Mon cher Paul là, c'est un qui va mentir dans la Bible. Bon, Paul là, lui-même, on ne pas occuper l'hôtel Olivier Brunel 27 là. Nous ne connaissons pas, personne parmi nous, ça gâte la mort. Nous ne connaissons pas. La mort reste demain un mystère. Nous ne connaissons pas. Menti, qui est-ce qui te dit la mort et Paul après la mort et c'est le jugement? Qui est-ce qui te dit ça? Tu vois ça avec lui? Ok, côté. Menti, a fait nous peur. C'est la théologie de la peur qui a fait nous peur piéger. D'accord. Et puis, on a une dernière question. Hein? Qui sort qui réservé même aux antichrists? Qui sort qui réservé? Par exemple, les pile l'antichrist va le bouler. Oui, non, l'en fait. Pour parole, yo, parce que a souillé le nom de Jésus. Selon la Bible, on allait. Eh bien, Marc 9:49 là, chrétien, pas j'aime les partisans, côté tout chrétien qui voit l'en faire. Et pas seulement, nous parlons qui bien. La Bible dit clairement, vous serez ça, nous pour nous passer dans le fait l'en faire. Oui, t'es quoi, tout parle l'en faire? T'es quoi, c'est Kounye l'âme saute li pour là? Dans 2 Pierre chapitre 3 là, et puis 1 Pierre 3 verset 18 à 20 là, Jésus allait dans l'enfer. Dans 1 Corinthiens que Jésus allait dans l'enfer, mes chrétiens, vous voyez, moi-même si mal dans l'enfer, moi-même, je vais aller tout le monde dans l'enfer, je vais battre pile vol pour me faire personnalité sur la télévision, je vais battre pile vol, je vais battre, moi, je dis dans l'enfer, je vais battre. Mes amis, l'enfer, c'est le séjour des morts. Dans le Nouveau Testament, il est mentionné en 3 ou 4 parties. Le séjour des morts, ou pays côté Moïa en créole, ou dans la version catholique Bible, il dit le Sheol. Écoutez bien, en Daniel 12, verset 2, pour avoir deux résurrections, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour la honte et l'opprobre éternelle. Quand on a la honte, il y a conscience, quand on a dans l'enfer, il y a conscience. Lorsque on prend la parabole Lazare et nos mouches là, le Lazare est mort, qui sa texte a dit, les anges bon Dieu là avec Lazare, les nos mouches là mourent, ils ont enterré, qui bon, dans l'enfer, oui. De pour enterrer, c'est dans l'enfoyer, c'est ça que le séjour des morts. Tout le monde qui mourit quand tu es si bien sous terre dans le séjour des morts, même bralé, même fier pour m'aller, tout parce que je ne suis pas venu pour mourir. Et sans ça préserver, il s'en préserve encore. Tout le monde doit mourir net. Tout le monde a mouru, même. La fin du monde n'existe pas. Et puis, bon Dieu, à toi, lâche tout dans la Bible. Il faut parler. Dans l'Apocalypse 11, verset 18, il dit la Bible détruit, le monde qui a détruit la terre. Si c'est Satan le problème, non, pète fiel, il est capable. Pète fiel, il est capable de mettre la paix sur la terre. Non, c'est le monde qui a détruit la terre. C'est le monde qui a détruit, la terre. Ça n'existe pas dans l'Ancien Testament. Téléphone-nous, Zamaïx. Téléphone-nous, c'est un ami en Haïti, à l'étranger, qui t'a même contacté. Et t'as l'air, oui, n'a pris pas un numéro encore. Et nous rappelons, Mounio, à chaque fois, nous baillons un numéro à mes amis. Nous disons, Mounio, numéro à nous pas baillons, comme si pour nous dire, Moun, pour nous faire don avec travail là. Nous baillons pour nous capables d'intégrer groupe OPDCH. Parce que, automatiquement, où est l'argent? En premier lieu, où est le pasteur de l'église? Voilà, fini. Numéro à c'est plus 90. Plus 90, 552, 157, 51, 53. N'abri pour le encore. Plus 90, 552, 157, 51, 53. Pour intégrer le groupe OPDCH, pour faire partie et des femmes solides, et des hommes vaillants. Marché sous entrée charlatan pasteur volant ça qu'a zombifié peuple la Bible la dîme les offrandes ça qui va exister du tout dans Bible la dîme c'est l'argent ça va exister bien. Merci en pile Zamaïx du fait que tu as accepté répondre à question de aujourd'hui. En pile love pour bel garçon chant pour l'esprit papa dans chant que chaque grain de monde la recevoir liberté mentale là. En pile love pour bel garçon. Voilà et ben c'est sous notre ça n'a pas remercié ou on le fait encore n'a pas remercié Balbito qui t'a réalisé mission ça n'a remercié toutes amis nous yo qui toujours connecté avec nous qui toujours garder nous qui toujours tendez nous et qui toujours prend engagement pour garder nous et ben merci à nos youtubeurs et m'a dit youtubeurs nous yo amis toujours garder nous en différentes plateformes numériques yo. Eh ben, pas oublier pour commentaire, critique, suggestion, canal, toujours écrit nous dans 37 62 47 95. Pas oublier abonner avec Chanel Blocus, pas oublier tout parallèlement l'abonner avec chaîne YouTube Pamna qui c'est Pierre-Richard Guillaume Info. Pour te présenter au Blocus, on connaît déjà dans micro non Pam, c'est Pierre-Richard Guillaume que tout le monde connaît sous nom. P R G. Bonsoir, politiquement, socialement et économiquement, merci d'avoir choisi Radio Télestorm pour vous servir. La tempête de la vérité, de l'équilibre et du professionnalisme. Bonsoir.